Non, c'est pas vrai. Oh non, ils me suivent. Oh, ils se rapprochent. J'arrive pas à les semer. Puis je commence à rien voir là. Là. C'est horrible. Je suis dans la forêt, là. Ça fait 2-3 jours que je suis perdu. J'ai un téléphone, il n'y a plus de batterie. J'essaie d'appeler les secours, mais ça répond pas, j'ai pas de réseau. Je sais pas quoi faire. Quoi que je fasse un peu pour repousser les loups. Ils me suivent là, j'ai un fond que je sorte ma trace. J'arrive pas à aller. Ça fait des heures que je cours dans la forêt. Ouais, heureusement j'ai mon téléphone, tu vois, j'ai vu une vidéo comme quoi tu peux allumer un feu avec un téléphone. Ok, fine. It's actually enough to start a fire. Get the battery out of it. As soon as I cut into the battery, it's going to expose the lithium to the oxygen that's going to create fire. Ok, watch out. Here we go. Je vais chercher un endroit dégagé. Dès que j'en trouve un, je vais ouvrir la batterie de mon portable avec mon couteau. Et normalement, au contact de l'air, le lithium va s'embraser. Et je vais pouvoir essayer de allumer mon feu. Ça y est, ici, ça a l'air pas mal. Ça a l'air dégagé. J'ai mon téléphone. Mon couteau. Je vais me préparer de la paille. Voilà. Et en fait, je vais ouvrir la batterie du téléphone pour que le lithium s'échappe. Au contact de l'air, il va s'embraser. Et du coup, je mettrai la paille directement sur les étincelles. C'est parti. Ouais, j'entends les loups, il faut vraiment que je me dépêche. Ils vont me bouffer sinon. Attention. En plus, ça va faire une énorme fumée normalement en théorie. Il faut vraiment que je fasse gaffe. À pas respirer la fumée. Donc là j'ai la batterie et je vais commencer. Ah, ça marche. Ah! Ah non. Non, en fait, ça marche pas. En fait, c'est en train de se réchauffer là. Oh, ça marche! Ah, je vois la fumée! Oui, je vois la fumée! Je vais survivre! Thank you.